pourquoi le Congolais de l'étranger ne vote pas. Le camarade de Denis Sassou Nguesso me l'a dit. Je suis un homme de parole et la parole n'a pas de couleur. Comprenez que je suis chez moi. On vient m'imposer, m'implanter, mettre. Parce qu'on ne peut pas être opposant et être aussi désorganisé. Voilà. Léon Ibongo sort une énorme idée sur la constitution. Tu vois, c'est le Congo à m'inquiéter. Moi j'ai vu des gens qui ont fait la guerre là-bas, les Cobras, les Ninja, que je rencontre encore ici. Ils viennent faire quoi? Voilà. Aujourd'hui que le business est fini, tu es Diawara, non? En tout cas, ils sont partis, non? Mais quand ils parlaient de l'oligarchie militaire, régionaliste et tribaliste, nous sommes où là aujourd'hui? Vous faites du bruit sur le net. J'ai même vu une liste qui circule là. Qui vont arrêter, je sais pas quoi. Et toi, t'avais pas acheté ton bien pour que ta guerre arrête à moi. Ce là fait quoi? Quand on voit un chef de l'État qui vient ici pour demander ce conseil. Demander quoi? Mais demander quoi? De l'aide et qu'il reste au pouvoir. Alors, donc on se dit que le chef, ce chef-là, n'est pas un chef. Aujourd'hui, le camarade Denis Sassou Nguesso, qui est devenu moiné, doit respecter sa parole. Puisque le camarade Sassou Nguesso se renie aujourd'hui, renie son communisme. Il repart au moiné. Ok, mais le moiné respecte la parole. Brazza Paris Info, en partenariat avec RD Congo Info du grand prêtre César Ngadi. Tout le monde est d'accord, mais alors d'accord. Donc, tout le monde est d'accord, planétairement, hein, parce que ce soit même au Vatican, le pape il est d'accord, c'est avec Brazza Paris Info. Le premier citoyen du Congo jusqu'au dernier citoyen, ils sont tous d'accord. On a bien une mission Oyoboué, ils ont là sa vérité, ils ont la censure, ils ont l'intox. Une mission Oyoboué, les propos tenus n'engagent que leurs auteurs. Le seul mot à l'objet, une mission Oyoboué, ma cabane est allée et allée, mon tout est. Donc, l'autre Yambi, Armand Mandiono. Armand Mandiono, ça m'a dit, on va te présenter les sous-soutés dans la diaspora congolaise. Mototo avant dans la poto a épié. Donc, quand on moto, il y a ça, va action, n'engue, n'engue, pour nous tourner, on va se mot chasser, pour nous tourner, on va tout, grandement tout. Il y a sud, il y a Brazzaville, bah épié, ce qui est Armand Mandiono. Donc, l'héritier valable, il y a Mathieu André, les aïeux. Donc, Bissot, soit là, on va avoir des loisirs. Donc, il fallait à contacter Bissot, à venir Bissot, que non, quand Brazzaville fait sa chaîne, tout le monde est d'accord, il n'est pas d'accord. Il faut que les gars aient passé le message là. Donc, à Ousama Sola intoxté, les animaux solo, l'émission du peuple. Le peuple congolais, tout le monde, à le baka. Député, Kalamil, tout le monde, honorable, à Ouyaka. Tout le monde, contact déjà avancé. Le ministre en fonction, tout le monde, à on peut sa vie, à comme opposant, à les gars. Ici, il n'y a pas la censure, il n'y a pas l'intox. Surtout, bon, on a raté dans la caméra. Parce que, sauf face, on est ébani. Côté, on est ébani. Donc, Brazza Paris Info. Tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord. Monsieur Mandiono, bonjour. Bonjour. Mais c'est une grande première de notre émission, ça nous fait énormément plaisir. Un plaisir immense. Nous sommes ravis de vous recevoir. C'est-à-dire l'héritier valable à Mathieu André. Tout le monde va transformer son brouillard, Mathieu André, mon collègue idéologie. Dans l'être, il y a bien dans la Paris Info. C'est un plaisir, mon aîné. Donc, ma master toi, Bax, il y a plaisir. Ma master toi, Ngangalingo, c'est un plaisir. Le représentant Mathieu André Yeyo. Rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le congrès de la diaspora à Genève, M. Mandiono. Tu vois que Zaïdé Nayo, Makambo Nayo, Oslam Rabebele, peuple congolais, pour la première fois, il découvrir Yeyo. Expliquez-moi comment vous avez pensé à ça et comment est-ce que vous tenez à ce congrès de la diaspora, plus précisément à Genève. Nous sommes sur la place de Paris ici. Mais pourquoi vous avez choisi la Suisse pour faire ce congrès de la diaspora, M. Mandiono? Expliquez au peuple congolais, s'il vous plaît. Merci, M. le journaliste. Je remercie déjà toute l'équipe de Brazza Paris Info, comme vous venez de le notifier tout à l'heure, que tout le monde est d'accord. Oui, on est entièrement d'accord, et surtout que vous faites état de l'article 19 de la Constitution congolaise, qui concerne l'expression libre de tout citoyen. Bon, je vous demanderai déjà de me comprendre. Vous avez parlé de Machuwa
J'aimerais qu'on observe une minute de silence, non pas pour Machua, mais pour ce Congo où le sang ne fait que couler. Bon. Vous avez dit que j'étais l'héritier valable de Machua. Et si je vous disais que j'ai découvert Machua à 50 ans, c'est en cherchant à comprendre ce pays, qui est le mien, que j'ai découvert le machuanisme. Et j'ai été très surpris que le Congolais, dès qu'il entend ce vocable machuanisme, qu'on le relègue à une ethnie qui s'est accaparée de Machua, alors que Machua, comme on le dit, a été un grand homme où la nation doit lui rendre hommage, ce qui ne se fait pas. Donc voilà, je ne m'accaparerai pas de Machua, je remets seulement les idéaux de Machua qui sont aujourd'hui tout à fait valables et sur le terrain, rappeler aux Congolais que au lieu d'aller chercher Mandela qui a inspiré Machua, qui a été inspiré par Machua, nous avons Machua. Pourquoi nous allons chercher Mandela? Nous allons reconnaître Mandela en tant que panafricain, mais reconnaissons d'abord les nôtres. Voilà l'histoire de Machua en moi. Donc Machua nous appartient à nous tous. Machua n'est pas une personne d'Armand Manzionno. Non. Et puis, il y a une chose qui doit être clarifiée en Machua. Je ne suis pas le Machua mystique. Je ne suis pas dans ce Machua-là. Je suis dans le Machua de la bienfaisance. Tout ce qu'il a revendiqué en découvrant le mode de fonctionnement des Occidentaux. Voilà. Donc, nous n'allons pas nous éterner passer notre temps sur Machua, mais qui est Machua? Machua, c'est le Congo. Mais écoute, mais tout de suite, on va dans la, comment ça s'appelle, la diaspora, le congrès, votre congrès que vous organisez à Genève. Mais comment ça s'est... Écoutez, la diaspora est divisée. Chacun roule sur son compte. Les uns à gauche. Mais vous, comment est-ce que vous arrivez à organiser un congrès à Genève? Pourquoi vous avez choisi la Suisse pour ce congrès, M. Manjono? Déjà, je vous dis, mais qui vous a dit qu'il va se passer en Suisse? Ben, nous sommes des journalistes, on à Paris, à fond. C'est-à-dire qu'on a des espions partout. Hein. Ah ouais, même à la présidence. Même à l'opposition. C'est un peu le canard enchaîné, là. Partout. Ah. Donc, nous, on nous a dit, M. Manjono organise un congrès en Suisse. Bon. Donc, expliquez-vous, monsieur, pourquoi ce congrès? Voilà, on va en parler, oui, effectivement. Pourquoi le congrès? De la diaspora. Mais, attendez, vous me collez un peu trop de choses. Héritier valable de Machua. Maintenant, je deviens. L'organisateur du congrès. Voilà, non. Je suis pivot du congrès. L'initiateur, c'est le doyen Miki de Nanité Lamio, qui se trouve à Québec. Au Canada. Voilà, au Canada. Qu'on salue en passant. Oui, c'est. Ce doyen qui était venu en 2009, c'est une histoire en fait, nous exposer sa vision compte tenu de l'émiettement de l'opposition au sein de la diaspora congolaise. Il était reçu au Côte d'Ivoire, nous étions à l'Assemblée, dans un bureau de l'Assemblée, où il nous a en fait donné un cours politique avec des diapos. Et curieusement, j'étais le seul à accepter sa vision de faire un congrès de l'opposition et après d'organiser un exodus. Pourquoi pas? Pendant 5 ans, le congrès n'a pas abouti. Il n'y a que les membres du Côte d'Ivoire qui peuvent répondre parce que un compatriote qui est parti du Canada, qui vient vous voir, qui vous expose, puisque vous êtes le conseil de la diaspora congolaise, il vous laisse un dossier. Voilà, aujourd'hui, jusque-là, nous sommes là. Maintenant, Armand Manzionno, dans le dossier du congrès de la diaspora, sa place, son positionnement, non, j'ai effectivement relancé le doyen Miki de Nanité Lamio par rapport à tout ce que nous faisons sur la place de Paris, puisque il faut le reconnaître, la plus grande diaspora congolaise éparpillée dans le monde se trouve sur la place de Paris. Nous pourrons même dire que Paris... est devenue la capitale libre du Congo, où on peut s'exprimer.
Donc, le doyen ayant déjà ficelé le projet, on s'est remis avec l'aide du net aujourd'hui. C'est pour cela que nous voulons que les gens s'inscrivent, que nous allons définir le changement au Congo ensemble. Il y a des réticences, il y a des gens, oui, mais la forme, c'est pas celle-là, le style, c'est pas celle-là. Non, moi, j'ai des histoires, je gratte un peu à la guitare, deux fois, nous avons eu un grand musicien, Luambo Makiadi, qui deux fois jouait des partitions qui n'étaient pas bonnes, mais ça passait et les gens dansaient. Donc, le congrès, qui de la diaspora refuse le congrès, si c'est pas aujourd'hui? On est tous devenus des agents. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Armand Mozionno va rencontrer un responsable du pays, il devient un espion. Faut même pas vous parler parce que c'est un général. Voilà. Vous avez rencontré voilà. Qui, vous, personnellement? L'histoire qui est claire. Il y a le général Benoît qui était là, venu présenter son Benoît qui? Benoît qui? Mounir N'Golo. Ici, voilà. C'est une vérité pour les Benoît de son truc. Voilà, on va arriver. Benoît N'Golo qui a suscité un débat inutile, effectivement, au sein de la diaspora, parce que Armand Mozionno a été parmi les proches qui ont organisé la présentation de son livre. Mais si vous ne le lisez pas, vous allez le découvrir comment? Personnellement, je l'ai dit, mon général, je ne vais pas fantasmer avec vous. Donc il fallait crier partout. Et tous ceux qui ont tapé, je veux vous dire, le doyen Eugène Loubello, qui a perturbé même la salle, il reprochait quoi à un Benoît Mundelengolo qui vient présenter son livre? Expliquez à la nouvelle génération, M. Mangelou, qui est Benoît Mundelengolo? Benoît Mundelengolo était aujourd'hui. Je ne me ferai pas d'abord professeur ou pour donner des explications. Là, je veux d'abord demander à la jeunesse de s'enquérir, d'apprendre l'histoire du pays. Parce que moi aussi, je peux sortir des énormités. Mais Benoît Mundelengolo, c'est l'actuel préfet de Brazzaville. Donc, c'est une autorité de Brazzaville qui arrive sur place et qui a écrit un livre, Fantasmons ensemble. Je suis un homme de culture, ça m'intéresse, j'ai lu, je lui ai donné mon avis, il fallait qu'il le présente. Je suis parmi les gens qui ont commencé les conférences à la Maison d'Afrique, donc qui me donne un petit statut particulier. Voilà, donc il fallait présenter ça et je suis membre de la diaspora politique. Opposant du système. Lequel? Donc, quel système? Le système Sassou Nguesso qui est sur place. Ah, d'accord. Hein? Je ne suis pas un opposant de M. Denis Sassou Nguesso. Je suis opposant de ce système-là. Les choses doivent être clarifiées. Mais là, c'est-à-dire vous êtes à la limite. Hein? Vous êtes à la limite. Opposant du système, opposant oui. Du monsieur. Oui. C'est la limite. Parce que c'est un pivot comme moi. Je suis le pivot du congrès de la diaspora. C'est lui le pivot de ce système-là, et puis on l'appelle système Sassou Nguesso. Ah, d'accord. Écoute, Brazza Paris Info, RD Congo Info, tout le monde est d'accord. Donc, Mbote, le cardiologue canadien, il est donc à l'hôpital de la Cimata, organisé par le congrès au Canada, pour nous battre tout bas, et nous allons aller à la présent. On remercie tous ceux qui nous soutiennent, et tous ceux qui n'ont pas cru en nous, vous voyez de vous-même. Vous comprenez? Et toi, les arts d'étoiles, moune de pétrole, et retirer la moune de pétrole. Donc voilà. Mais écoutez, M. Mangelou, pourquoi il y a un frère qu'on appelle Djafouka Kevin qui est allé au Congo, vous l'avez surnommé Djaf Nguesso. Donc, Yosoli Motake na Mboka a sali tourne en nord à pays avec moi dans Sassou. Expliquez-vous, parce que tout va bien. Comment vous avez montré votre tournée de question? Pourquoi t'en veux à Djaf? Il a fait un tour au Congo, normal, c'est un Congolais. Même si c'est un militant, il milite contre le système. Mais pourquoi vous l'avez surnommé Djaf Nguesso? Pour quelle raison? Parce que c'est interdit de donner des pseudonymes aux gens. Non, c'est pas interdit. Et ben alors? Mais Nguesso a connotation. Et alors, parce que Nguesso est un nom privé? Nguesso est un nom congolais que moi aussi je peux prendre. C'est comme je prends mes sobriquets, Lele Wakalaba Kento Wajing Lamvumbi. C'est tout. Mais non. Malheureusement, c'est vous qui l'avez attribué ce surnom.
Mais c'est un nom qui, c'est un nom populaire. Ça lui convient bien à Jaff, le nom. J'ai pas vu Jaff réagir là-dessus. Donc il était content là-dessus. Ah ben, je sais pas. Jaff Lacouette, ben écoute, Armand Madjono, il t'a surnommé Jaff Nguesso, donc dorénavant, on t'appellerait Jaff Nguesso. Mais revenons un peu sur le congrès de la diaspora, ce congrès, parce que tout le monde en parle, partout, même Paris Info, vous serez de la partie, tous les congrès de la diaspora qui sont en dehors du Congo même, des gens viendront partout du monde, ils seront à Genève pour parler ou pour décider du destin du Congo. Ça c'est plus important. Monsieur Madjono, plus de éclaircissements, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que ce congrès naîtra le fameux CNT, Conseil National de Transition, que tout le monde s'agite ici au Congo, à Paris, hein? Ça c'est encore l'idée de mon frère Evra Nango qui est en train de diriger... Toujours agiter le mouchoir rouge, hein? Non, il n'agite pas, il inspire le pouvoir. Oui. Parce que Evra Nango dit des choses qu'on retrouve même... dans des allocutions du camarade Denis Sassou Nguesso en fin d'année. Non, à ce point. Ah, ben, il n'y a qu'à vérifier, il y a les archives. Donc, le conseil dont vous parlez, oui, il défendra son conseil. Et je crois que ce n'est pas une mauvaise idée. C'est comme nous parlons du droit de vote des Congolais. Oui. Hein? Donc, le problème du congrès de la diaspora, je souhaiterais plutôt que vous recevez aussi ceux qui n'en veulent pas. Parce que nous, Brazza Info, nous l'invitons. Merci. C'est comme il nous accepte aussi. Merci. Donc ça c'est vraiment, je vous le dis de tout cœur, Brazza Info a une place pour couvrir cet événement parce que c'est un événement interplanétaire. Je ne connais pas un événement interplanétaire congolais dans la diaspora, dans notre diaspora. S'il y a des gens qui le connaissent, qui ont déjà participé, qui ont déjà organisé, qui nous donnent des références, et il est bien dit, nous allons décider le changement ensemble. Donc en sortant de là-bas, si on se dit, nous rentrons dans le système Sassou Nguesso, nous incorporons le système Sassou Nguesso. Si nous disons que ça ne va pas, et que nous apportons nos arguments, nous allons sortir avec cette proposition déjà de mon frère Ivan Nango, hein, si effectivement elle est adoptée. Lui, il le dit, il a dit, il lance, c'est vrai, mais a-t-il raison, n'a-t-il pas raison, ça sera autour d'un consensus. Mais ça, c'est pas un problème, on va chercher Ivan Nango, on va lui poser la question et qu'il nous explique clairement, parce que ici, une information, c'est la source, ici, il n'y a pas d'intox. Mais, monsieur Madjono, le mausolée de l'abbé Philbert Youlou, le mausolée de Massamba Déba, le mausolée du roi Makoko. Mais pourquoi vous êtes toujours dans le passé? Vous avez dit quoi? Pourquoi vous êtes toujours dans le passé? Vous êtes un homme du passé? Excusez-moi, vous pourriez construire l'avenir sans jeter un regard sur le passé? Mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a que le présent et le futur qui comptent. Non, excusez-moi, c'est peut-être très impoli de vous reposer une question. Non, mais du tout. Pourquoi je suis dans le passé? Pourquoi vous êtes toujours dans le passé? S'il n'y a pas eu un mausolée pour l'abbé Fulbert, Massamba Déba, Roi Makoko, je sais pas, le chef de quartier, je ne sais pas de quelle commune, c'est passé. Là, nous sommes au présent. Parlons du présent et puis le futur. Ah, donc vous êtes entièrement d'accord que des Brazza, un colon, avec tout ce que ça veut dire, signifier un colon, il ne vient pas pour vous caresser. Et tout ce que le professeur Théophile Obenga nous a relaté, qui s'est passé dans la cour du roi Makoko, mérite un mausolée. Et tous ces innocents qui meurent au Congo ne méritent pas un panthéon. Vous trouvez ça normal? Parce que vous me parlez de Youlou, de Massamba Déba. Il y a un mausolée en face du lycée Lumumba. C'est pas suffisant pour vous? Il faut en rajouter. Voilà encore un camarade qui a été sacrifié. Vous avez parlé de mausolée, je parle de panthéon. Oui.
oui. Mais le Panthéon, c'est là où... Donc, le Panthéon, c'est là où on peut reconnaître. Voilà, c'est là où Mariam Gwabi doit être. Youlou doit avoir sa place. Et même Ange Diawara, Ikoko, Oluka. C'est ce que je veux. Oui. Mais quand je vois le marbre où ma soeur Belinda et sa diglige, je ne sais quoi, pour, et je tiens, je vous dis en passant que je suis un ami de la famille de Braza. Je trouve anormal qu'on glorifie un opposant, un colon. Blanc. Il faut le dire, hein. Il est blanc, c'est vrai. Là, ça tombe pas un peu vos propos un peu au racisme? Non, 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 non. C'est non, comme non, ça, nationaliste. Je suis un homme, c'est vous qui le dites. Nationaliste. Je suis un homme de parole et la parole n'a pas de couleur. Comprenez que je suis chez moi. On vient m'imposer, m'implanter, mettre, d'ailleurs même le mausolée là où il est. Et le dépotoir d'à côté. Il fallait d'abord penser à ça. Et le vrai fils du pays pense à ses parents, déjà. Déjà. Donc je trouve déplacé, tout à fait déplacé. D'ailleurs, dans cette histoire-là, le verdict venait de tomber qu'il faut rapatrier le mausolée, les ossements de Desprazes. Vous voyez pas, c'est une honte. Déjà, vous allez chercher, maintenant on vous demande. De la patrie. Une honte vers qui, monsieur? Une honte vers qui? Vers ceux qui représentent actuellement le pays. Parce que ce n'est pas la honte du Congolais. Le Congolais, pour avoir honte, c'est le jour où il a déjà voté librement. Mais, je vais vous dire une chose, hein. Je ne suis pas là pour donner des leçons aussi aux Congolais. Je suis là plutôt pour parler de la diaspora congolaise. Voilà. Je suis un membre de la diaspora. Et la diaspora ne fait absolument rien pour le pays. Parce que quelque part, on nous dit que nous avons une mission officieuse quand on parle du pays. Et c'est celle-là. Les Congolais souffrent, la diaspora ici est tranquille, en train de faire des petites réunions jusqu'à attraper aujourd'hui. Tout le monde souffre d'une réunion ici. Allons-y au Congrès. Nous allons définir le changement ensemble. J'aimerais plus qu'on se focalise sur ça et sur le vote du Congolais de l'étranger. Pourquoi le Congolais de l'étranger ne vote pas? Le camarade Denis Sassou Nguesso ne l'a jamais dit. On ne va pas le lui reprocher. La constitution congolaise, vous la lisez du fond en comble, il n'y a aucun article qui interdit les Congolais de l'étranger de ne pas voter. Est-ce que ce n'est pas la diaspora congolaise qui fout le Congo dans la merde? Parce que ça, cette question, je ne la poserai jamais au camarade Denis Sassou Nguesso. Sa constitution taillée sur mesure. D'ailleurs, c'est moi qui la chante, cette constitution qui est antidémocratique. Je le sais très bien que la constitution est antidémocratique. Mais pourquoi je la chante? C'est juste pour dire, aujourd'hui, le camarade Denis Sassou Nguesso, qui est devenu mouéné, doit respecter sa parole. Puisque le camarade Sassou Nguesso se renie aujourd'hui, renie son communisme. Il repart au Mouéné. Ok, mais le Mouéné respecte la parole. C'est pas ce que je vois où des journalistes qui viennent nous dire qu'en changeant la constitution, il y aura la croissance. Voilà une énormité qui sort d'un journaliste congolais. Lequel? Léon Ibombo. Voilà des énormités qu'il ne faut pas sortir. La constitution va vous emmener la croyance sur quoi? Économiquement, prenez des spécialistes. Ils vont nous sortir quel théorème là-dessus. Donc, le Congolais, je pense que si le Congo souffre, c'est la diaspora qui fait souffrir. Mais attendez, vous voyez un chef de l'État qui pleure parce qu'on ne l'a pas reçu à l'Élysée? Non. C'est vrai ça? Ben, attendez, à moi ce que je délire. Mais moi j'en sais rien. Mais toute la diaspora le sait. Voilà. Et cette diaspora-là fait quoi? Quand on voit un chef de l'État qui vient ici, oui, pour demander ce conseil. Demander quoi? Mais demander quoi? De l'aide et qu'il reste au pouvoir. Alors, donc on se dit que
Le chef, ce chef-là, n'est pas un chef. Il a aussi un autre chef. Mais il est où, ce chef-là? Monsieur Manjono, vous savez, dans cette émission, Brazza Paris Info, ce que vous dites, parce que moi, mes grands-parents, ils sont au Congo, ils sont au village, ils ne peuvent pas vous croire. Parce qu'au Congo, nous connaissons le président, c'est qui? Alors, ceux qui quittent le Congo en visite officielle pour venir à Paris, pour venir pleurer, personne ne peut vous croire. Même le gamin qui est à la maternelle, il vous croira pas. Monsieur le journaliste, je vous comprends très bien. Mais le jour que vous direz même à vos grands-parents qu'ils ont une dette, ils vous diront, oh, comme qui on est, comme fou. Ben oui. Nous, on doit quoi? Mais le Congo a une dette, non? Maintenant, donc c'est tous les Congolais qui doivent même tes grands-parents. Mais monsieur Majono, expliquez comment est-ce qu'il est venu pleurer. Parce que, ah, vous avez vérité pour les leçons trucage. Ah, bah, bon, bakate, il faut éclairer le peuple congolais. Yamana Bengamo, baby, c'est l'éclaireur du peuple. L'oba vérité, montre-toi comprendre. Nous ne sommes pas dans la Bible ici pour la parabole. Ah, vous êtes clair, le message doit être clair. Jusqu'au dernier concitoyen aille comprendre Maman Manjono à l'oba qui est une émission pour BBC. Vous trouvez que. Voilà. Vous trouvez que. Ce que je dis n'est pas clair. Mais quand vous avez les Congolais qui organisent, qui veulent organiser des marches au nom de touche pas mon président, ça veut dire quoi? Mais ça, c'est ceux ça qui veut... sont... Mais oui, mais nous avons ceux-là, des... Nous... Ceux-là, ils sont pour le président. À qui ils disent qu'ils ne touchent pas mon président? Mais à ceux qui veulent... Aux Congolais? À ceux qui veulent le sacrifier. Ah. Mais lesquels? Aux opposants. Mais vous, et Vrar et autres. Et Jaff, Binotti, mon opposant, c'est à vous quand... C'est un message que vous avez. Nous serons des opposants après le Congrès. Après le Congrès? Après le Congrès, parce qu'on ne peut pas être opposant et être aussi désorganisé, voilà. Non, que les choses soient claires. Oui. Je suis un patriote. Merci. C'est comme je dis, vous êtes des compatriotes. Oui. C'est le langage que je n'entends que chez les autres. Je vais chez les Camerounais, j'entends mon compatriote. Je vais chez les Burkinabés, c'est pareil. Mais au Congo, on ne parle pas de compatriote. On parle de quoi au Congo alors? Au Congo, on parle tribaliste. Ah bon? Voilà. Mais quand au Congo, bon. Donc aujourd'hui, quand vous appellerez opposant. Au sorti du congrès de la diaspora. Jusqu'à parce que là, au moins, nous aurons défini. Non, nous aurons défini oui. Ce que c'est qu'une opposition. Parce qu'il y a beaucoup de mots résistant, opposition. Bon. Donc, vous, on ne va pas jouer sur la sémantique. Vous êtes qui? Opposant, résistant, agitateur. Agitateur, oui. Ça, on me l'a déjà collé. mais quand je prends. De l'argent de ma poche pour organiser des conférences ici où ils viennent parler, ils disent pas que je suis agitateur. Hein? Mais derrière, ils font passer un message comme étant agitateur et aujourd'hui le congrès c'est qui? C'est vous. Voilà. Et je les invite et le doyen dit qui? Il faut le lui reconnaître. Et moi je ne veux pas le cacher. S'il y a un homme politique que j'ai rencontré dans ma vie, c'est le jour où j'ai rencontré. Mbiki de Nanité, là, c'est pas parce que vous êtes du même coin. Non, oulala. Voilà encore, voilà, c'est ça. C'est pas parce qu'on est du même coin. Evra Nango est du même coin que moi. Je parle politique avec lui. Mais il paraît qu'il s'est vendu. Un vendu, c'est-à-dire. Oui, un vendu quoi? Bah, t'es caïna, tu vas tuer. C'est-à-dire, à comment est mon avis? Voilà, c'est encore cette thèse-là, tribalité, je ne sais pas quoi là, vous amène. Non, nous sommes tous des Congolais. Quand Léon Ibombo sort une énormité sur la Constitution, je lui dis que tu as faux, tu as tout faux. Parce qu'il n'a pas compris pourquoi nous demandons au camarade Denis Sassou Nguesso de respecter sa parole. Il s'est d'esprit, il s'est bien inspiré, lui qui nous a fait croire qu'il ne croyait pas de psaume 90, chapitre 10, sur la longévité de la vie, sur les 70 ans et les 80 ans, si on est bien vigoureux. Mais est-ce que le camarade Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, tel que on regarde l'état de ce pays-là, peut encore? Non, moi je vais vous dire une chose. Allez. Je suis résident ici, ça fait au moins 30 ans. Tout ce que je n'ai pas eu pendant 30 ans, je ne les aurai plus sur les 30 ans à venir. Donc faut pas rêver. Mais le mal du Congo, nous pourrons monter, descendre. C'est la diaspora.
Voilà. Braza Paris Info en partenariat avec RD Congo Info. Martial Mbani, Olobaki Armand Manjonois, Loba Yeo Lobi, Caprice Kelly, Olobaki Loba Yeo Lobi. Mais une question, il y a la régie qui vient me signaler. Pourquoi vous travaillez toujours avec un billet du retour au Congo? Billet supérieur, billet 30 ans, au Vanda à Okendekete. Comment tu as un billet pour la Kenya? Comme on a un gars fou, il a bon tout. Mais pourquoi tu as un billet? Mais vous savez, vous faites du bruit sur le net. J'ai même vu une liste qui circule là où il y a mon nom. Oui. Où c'est des gens qui vont arrêter, je sais pas quoi, faire je sais pas quoi. Là. Et toi, t'as acheté ton billet pour que ta gueule arrête à Brazzaville, c'est ça? Tu vois? Attends-moi, là, tous ceux qui partent, ne peuvent pas partir là-bas. Et toi, t'as ton billet. Voilà. T'as ton billet. Mais ça n'allait simple. Non, vous êtes libre. Là. Allez, retour à Brazzaville. Non, 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 vous n'êtes pas au Congo où les gens sont terrorisés. Non. Vous donc, bien ouais. À Moyo, réservation Air France. Donc il peut aller au Congo quand il veut et à n'importe quel instant et il ne sera pas inquiété. Eh bien pourquoi qui va m'inquiéter en fait, qui va m'inquiéter? Qui va m'inquiéter? Moi j'ai vu des gens qui ont fait la guerre là-bas, Cobra, Ninja, que je rencontre encore ici là. Ils viennent faire quoi? Voilà. Aujourd'hui que leur business est fini. Qui va m'inquiéter? Quel business? Le pillage? Ben, ils ont créé ils avaient créé des marchés. Ils sont arrivés ici comment? En tout cas, ils n'ont pas de bourse. Hein? Armand Manjono. Mais alors, ils se sont fait chef pendant un certain temps. Oui. Après, paf, ils disparaissent. Le chef est si libre. Hein? Mais c'était des fous, là. Voilà. Ils sont allés piller à Vinza. Ils sont allés piller à Boko, à Kinkala, à Bakongo. Tout en mettant tout ça sur la tête des responsables. Lesquels? Ben, ceux qui ont fait la guerre. Mais ceux qui oubliaient qu'ils faisaient la guerre pour des gens qui se connaissent mieux. Hein? Nous avons vu Bernard Kolela et Sassou à la dernière minute avant qu'il meure. Maintenant, ben, Zobawana, Lobby Baboya, Lissous, Ponzale, l'équipe, économie de guerre ici. Moi, je ne prendrai jamais la nationalité française comme tout ce que je vois là. Je suis Congolais, je suis né Congolais et je le resterai. Si les Congolais vont décider de me tuer, mais ils ont déjà tué Diawara, non? Au Luka, ils sont partis, non? Mais quand ils parlaient de l'oligarchie militaro-régionaliste et tribaliste, nous sommes où là aujourd'hui? Lesquels qui souffrent, c'est eux, ils sont trompés. Là, Diawara est ton père, Ikoko est ton père, tout le monde est ton père. Donc le Congolais doit savoir ce qu'il veut et j'interpelle plus celui qui est dans la diaspora. Celui qui prend les valises ici, là, pour aller au Congo, dire que Ngana Komba, Makambo Simba, alors que Awa, Bandabo na Bangoya, Bandabo na Demi-Tarif. Braza Paris Info en partenariat avec RD Congo Info, tout le monde est d'accord. Même Armand Manjonet par le Biazali, d'accord. Vous êtes d'accord avec Braza Paris Info? Écoutez, la preuve, je lance une invitation que Paris Info vienne couvrir le congrès de la diaspora. Parce qu'il y en aura qui ne viendront pas pour la Sony. Bon, donc Bissot va inviter Bissot officiellement à plateau. Moutou a organisé le congrès. Comme nous le disons toujours, les propos tenus dans cette émission n'engagent que leur auteur. Surtout avoir journaliste, tu vas lire pour na collecter ces messages. Mais tu as bien que tu sois avec ces messages là. Beaucoup mieux va t'avoir confusion, beaucoup mieux va t'avoir intox, na sima, oh mon bébé sima. Autre moment, nous avons moto, oh oui. Et le banal extraterrestre, ils allaient moto à béton. Donc au coin, jamais de la vie. Oh bah ébi. Donc Monsieur Manjono, un mot de la fin. Il vous reste 5 minutes. Il faut le rappeler dans l'ingala. Il faut le rappeler dans Mungutuba. Nous sommes encore une nation archivée.
mboka kotonga mboka esengi to sangana to fanda ya makamba minduki te lelo yonga na koyo loba oyo bazoloba ah tuwana a continuer les sous-sous to fanda to discuter ce que vous avez raison viens continuer mais ce que vous avez raison te to sani viens à kende a tika place koloba kotika place et lingo loba te a tika ango chez ma opposant parce que opposant wana pe faut pas là qui ça va machas nzo faut pas là qui ça va programme na bango. C'est pas bayako loba kaka o ya de complot que moi je ne crois même pas. Donc to sangana makambo nyoso ata po boswani même moi sina mobali ndako bafanda. Donc, tu fanda. Mais tu fanda ndengeni. C'est ça le problème. Tu fanda ndengeni. Tu fanda na moto azoke de la retraite. Ah, bon monsieur bazolo bana biso te tu fanda gouvernement du Union National ya nini. Moto asili ici a kei. Ce que a joué pouvoir au peuple a boloba. Bon, tu ponier a go fanda sa bato. Wala ekomi likambo mosusu me nde tokotonga mboka wana te na ndenge tozokende onga na bunda onga na sala guerre me osala guerre na nani okenda kobunda na kimongo ha kimongo bakoti kuna batukuma litokwe ekasi melia kwa. Voilà, c'est le seul message que je peux donner, c'est un message de rassemblement. Mais parce que ma master de ici mais kimongo oto le bio wana ni papa yoka ma manjola ni nazo pesa message. Donc c'était le mot de la fin avec le doyen Armand Mandjono, le grand résistant, le représentant valable et Mathieu André, Napoto Awa, Tin Afrique et Zalagaye, Mamisusu Wanabunda, Bazan Amoka Imposteur. Baza Paris Info, tout le monde est d'accord. Celui qui n'est pas d'accord, on va sortir les statistiques. Nana Salama Vie Belé. Au revoir, chers internautes.